Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors très courte, c'est juste l'encadrement d'un DP que Chouchou avait terminé depuis déjà un petit moment, enfin 15 jours je crois. C'est le DP du vieux couple, voilà, que j'avais eu à la boutique Everyday Deals. Voilà, mon accent devient de mieux en mieux. Donc voilà, c'est juste l'encadrement. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je vous fais des petites vidéos là-dessus. J'espère que ça vous intéresse. Là, donc j'ai toujours repris un cadre chez Action. C'est toujours les mêmes cadres, mais là, j'ai pris une autre couleur. J'ai pas pris le marron foncé, j'ai pris le beige. Voilà, c'est un peu beige. C'est couleur bois clair, voilà, on va dire. Donc Chouchou voulait qu'on change un petit peu la couleur des cadres pour pas qu'il y ait que des marrons foncés. Donc j'ai été en rechercher ce matin. Alors je me suis aperçue que j'avais fait une petite erreur dans les autres vidéos d'encadrement. Je vous avais dit que ce cadre coûtait 4,99 €. Non, il coûte 4,79 €. C'est 20 centimes de moins hein, quand même. Donc voilà. Là, je suis en train de vider le rayon de ce cadre. Je crois que ça fait deux, trois fois que j'y vais là, enfin, deux, trois, quatre fois que j'y vais chercher ces cadres-là. Et comme je prends toujours les mêmes, je vois que le rayon se vide. J'espère qu'ils vont en remettre. Donc voilà. Donc là, le DP, je l'ai encadré avec un passe-partout. Puisque c'est un tout petit peu plus petit que le cadre, mais bon, le passe-partout est donné hein, dans le cadre. Et j'ai juste retaillé, enfin recoupé à la bonne dimension pour le DP. Voilà. Donc vous voyez, vous allez voir dans la vidéo, comme d'habitude, comment je m'y prends. Voilà, rien de spécial. Bon, par contre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça se passe en commentaire. Hein, vous savez que j'y répondrai plus ou moins vite, hein, parce qu'en ce moment, des fois, j'ai du retard dans les réponses de commentaires. J'en suis désolée. Mais je vous réponds toujours. Vous voyez bien. Bah, si la vidéo vous a plu, un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et plus j'aurai de pouces, plus la boutique m'enverra des kits. Donc, et plus je recevrai de kits de la boutique, plus vous aurez de vidéos sur les DP que Chouchou ferait ou moi. Bon, moi, j'en fais pas trop en ce moment, mais donc voilà. Donc des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Sinon, bah, rien de spécial. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder. Alors, je vous ai mis à la fin trois photos. Non, quatre. Oui, quatre photos. Donc, du DP encadré. Et vous verrez à la fin, je vous ai mis une photo du mur de chez moi où j'ai mis les DP et où j'ai mis celui-là. Voilà, en particulier. Donc, comme ça, vous pourrez voir. Pas de clous, hein, nous, les cadres. Alors, nous, c'est des maisons des mines. Donc, on est dans le nord, hein, vous savez. La plupart d'entre vous le savez. Voilà, j'arrive. donc, nous, c'est les maisons des mines. Bon, elles sont légèrement rénovées, hein, on va dire, je dis légèrement, parce que bon, si on met un clou dans le mur, ben, pouf, ça tombe. Hein, le mur vient avec. Et j'ai même une pièce où ils avaient carrément replâtré, mais ils ont oublié d'enlever la bourre. Puisque dans le temps on mettait de la bourre hein, sur les murs, donc j'ai eu une étagère que j'avais mis sur le mur, puis les deux étagères, par contre, j'avais mis deux étagères sur le mur, et puis loup, tout est venu avec, mais le plâtre est venu avec, donc il restait plus que la bourre sur le sur le mur. Donc on essaye d'éviter au maximum les clous, les vis, tout ça sur les murs. Voilà. Et donc là, je mets du double face spécial pour les cadres. C'est Patex qui fait ça. Et là, j'ai pris un rouleau pour mettre des choses qui vont jusqu'à 80 kilos. Mais j'ai quand même des petites difficultés par moment pour coller, tellement le mur est pourri.
voire même avec le double face, des fois. Un de ces jours, on va se lever le matin, il y aura tout qui sera par terre. Mais bon, enfin, n'espère pas. Enfin, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà des cadres de DP qui sont tombés à cause de ça. Voilà. Donc maintenant, on met du double face spécial cadre et croise les doigts, les orteils, tout, pour pas que ça bouge. Donc voilà, ben, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo qui est assez courte. J'attends vos petits commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.